Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une découverte de jeu. Un jeu qui est en free-to-play. Et il date, mais il est en free-to-play depuis peu sur le live Xbox. Vous le retrouverez pas dans Game with Gold, mais vous le trouverez dans, en le cherchant directement. Donc nous sommes sur Défiance. Donc je vais vous expliquer un peu, je vais faire sûrement deux épisodes pour vous expliquer déjà un peu comment le fonctionnement de ce jeu, les différentes catégories de tout ce qu'on a, et ensuite je ferai un autre épisode pour vous présenter tous les modes de jeu qu'on a et toutes les cartes, toutes les voilà, tous les déplacements, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc nous voilà sur la carte Défiance, c'est mon perso, on peut pas trop le voir de face. Donc nous avons trois types de races de personnages, je sais plus lesquels exactement, Eurasienne, je sais plus. On vous propose au départ de configurer votre personnage, vous pouvez changer sa coiffure, vous pouvez changer son masque, etc. Après vous avez toujours des DLC qui sont payants, que vous pouvez acheter au prix de 10 € ou le season pass qui est à 30 €. Donc c'est un jeu de MMORPG, on est pas mal sur la carte, jeu de tir à la troisième personne avec vous avez une multitude d'armes. Vous avez aussi une multitude de niveaux. Là, vous voyez en haut à gauche mon pseudo. À côté, c'est mon niveau actuel. Il monte au-dessus de 5000 de niveau. En dessous, c'est des plaques d'armure. Le rouge, c'est la vie. Et encore en bas, c'est les deux plaques d'armure de votre bouclier. Ensuite, vous descendez sur le bas en bas à gauche, toujours. Donc les LB, j'expliquerai ça tout à l'heure. Ensuite, vous avez le petit zéro qui clignote, c'est les grenades. Ensuite, vous avez votre arme avec le nombre de munitions que vous avez dans le chargeur et ce qui reste. Ensuite, en dessous, plus à droite, c'est les sous du jeu, l'argent du jeu, irréel. Et en dessous, c'est les codes que je vous expliquerai plus tard. Bien sûr, en haut à droite, vous avez la mini-carte. Et là j'ai été en cours de mission, donc il y a affiché la cours de mission qui est actuellement. Et vous avez même l'heure et la date actuelle du jour d'aujourd'hui. Et le chat qui se trouve en bas. Donc nous allons continuer. Si vous appuyez sur Select, hein, voilà. Donc vous avez la mini carte qui est juste assez grande, mais ça on verra ça plus tard sur tous les modes de jeu qu'il y a ou pas. Je sais plus comment on fait le zoom, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est parce que je suis en mission. Donc vous avez tout ça, voilà, une grosse carte, mais ça on la verra, on verra tout ce que ça veut dire, tout ça, etc. dans le prochain épisode. Je vous expliquerai parce que le début est déjà assez long. Peut-être que si j'ai le temps, je vous montrerai un petit bout. Mais voilà, comme vous voyez, la carte elle est énorme. On ne sait pas tout à fait ce qui commence, que c'est les ronds, etc. Donc je vous expliquerai ça si j'ai pas le temps aujourd'hui, dans le prochain épisode. Ah si, on peut dézoomer, voilà. Voilà, vous avez 4 mondes. Continents, le continent principal qui est tout ici, un autre continent qui est ici, c'est San Francisco parce que c'est dans un monde post-apocalyptique, excusez-moi, et Silicon Valley. Donc San Francisco est assez grand, mais c'est totalement en ruine, hein. On verra ça plus tard. Ensuite, si vous appuyez sur Start, vous avez votre personnage, donc avec les deux armes qui sont de chaque côté.
que vous pouvez changer quand vous êtes sur cette vue-là. Vous pouvez simplement changer d'arme en appuyant sur Y. Après, vous avez plein de types d'armes. Comme vous pouvez voir ici, l'inventaire des armes. Donc, vous avez des armes. Plusieurs types d'armes. Vous avez des fusils d'assaut, des fusils sniper, des fusils à pompe, des armes biomagnétiques comme on voit ici, la Manta, des lance-grenades, des RPG. Est-ce que j'en ai oublié? Fusils de combat, biomagnétiques, des mitrailleuses, fusils à pompe, non, voilà. De toute façon, c'est tout marqué en dessous. Il n'y a pas. C'est tout marqué en dessous. Ensuite, comme vous, je sais pas si vous avez remarqué, à côté de l'arme sur le. J'ai fait une connerie. À côté de l'arme, vous avez des petits symboles. Là, par exemple, c'est une éclair. Ça veut dire que il y a plusieurs. Ils ont plusieurs particularités, par exemple. Celui-là va envoyer un genre d'éclair. Celui-là, je crois que c'est toxique. Celui-là, c'est un siphon. Un siphon, ça, c'est du feu, bien sûr. Ça se voit. Voilà. Et ça, c'est radioactif. C'est comme celle que j'ai actuelle là, où vous voyez que. Non, pas celle-là. Oui, ça tient des trucs verts et ça contamine l'ennemi. Plus vous en lui en mettez, plus ça contamine. Vous allez boire ses points d'expérience, etc. On continue ici. Donc ici vous avez le bouclier. Donc ce qui vous permet d'avoir les deux petites plaques d'armure que je vous ai parlé au départ. Donc après, suivant votre niveau, plus l'arme, plus le truc va être élevé, quoi. Donc là, on en a des 1001, 1005. Moi, je regarde ce qui est en plaque d'armure 2 parce qu'il dure un peu plus longtemps. Ensuite, vous avez la capacité, le rechargement et le délai de recharge. Donc, ça change avec plusieurs boucliers. Par exemple, celui-là n'a qu'une seule plaque d'armure. Voilà, celui-là, on a 2, il fait 2191. Ouais, le mien est plus puissant, alors que vous voyez, il est en 1001 de niveau, que celui-là il est à 1093, mais il est moins puissant. Il est possible qu'il y a des armes moins puissantes, des trucs moins puissants, alors que le niveau est plus élevé. Ça, après, c'est à vous de regarder et c'est à vous de comparer les stats des tous les stats. Ah, je vous ai pas parlé aussi de ça. Je reviens sur mes armes. Comme vous voyez, il y a des couleurs en fonction des armes. Donc, est-ce que j'en ai là? Oui. Donc, le blanc, c'est commun. Ensuite, vous avez le vert qui est un peu plus rare. Ensuite, c'est le bleu qui est un peu plus rare. Est-ce que j'en ai là? Non. Ensuite, c'est le violet. Et pour finir, le légendaire qui est le orange. Si je mets le orange, voilà, celui-là il y avait un petit éclair de marqué, vous voyez, il lance des éclairs et il électrifie l'ennemi. Ensuite, toujours sur le menu start, vous avez donc les grenades. Vous avez différents types de grenades, ça on verra après sur les magasins que vous pouvez simplement, voilà. Ensuite, vous avez les dinapodes. Les dinapodes, ça vous permet d'avoir un boost de dégâts, de munitions, d'armure, de santé. Il y en a plusieurs de disponibles, pareil, en magasin que je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, les dinapodes, quand vous êtes en combat, etc., vous pouvez le poser comme ça. Et voilà. Par exemple, là, c'est du dégât. Donc, je ferai un peu plus de dégâts que que normal. Tous les joueurs qui rentreront dans ce cercle qui clignote auront ce bonus. On n'avait pas parlé de ça.
Justement, je l'ai activé avec le Y en appuyant sur RB et le Y. Et vous pouvez l'activer, bien sûr. Il dure pas éternellement. Et puis après, il faut attendre qu'il se recharge. Donc là, il m'en reste 7. Ensuite, là, vous avez les dopas. C'est pour vous en avez plusieurs, dopas d'armure, etc. Comme les dinapodes. Ça, c'est quelque chose que vous injectez soi-même. C'est pour se soigner. Moi, je prends le soin parce que c'est le plus rapide pour se soigner. Donc, c'est pareil. Vous pouvez vous appuyer sur RB et vous avez le B. Et voilà, il s'injecte pour se soigner. Bon, moi, là, ça se voit pas. C'est parce que j'avais pas de... Désolé. Désolé, petit trou. Parce que je fais ça comme ça. J'ai décidé de faire une vidéo, donc je prends ça comme ça. Ah bah par exemple, voilà. Nous avons un autre joueur ici. Ils sont pleins. Donc vous avez son nom de clan au-dessus affiché, son pseudo. Et entre les deux... Non, c'est pas son nom de clan. Légende d'Éden, c'est un nom qui peut s'acheter pour sa réputation. Ensuite, vous avez Black Hawk, c'est son surnom, son pseudo. Et en bas, entre les deux, vous avez son clan à lui. Vous voyez, il a une tenue tout à fait... Une autre tenue que moi. Il a un casque. C'est une autre... Ah bah, c'est une femme. C'est une autre race parce qu'il est blanc. Donc je suis plutôt brun. Voilà. Je te remercie, Black Hawk. Tu sais pas que je tourne, mais c'est pas grave. Il y en a deux autres joueurs. Ensuite, toujours en appuyant sur Start, vous avez l'ego. Alors, en bas, tout en bas, vous avez l'ego. Code d'ego. Bon, ça, c'est votre niveau. Les unités d'ego, c'est ce que vous allez pouvoir dépenser pour améliorer vos capacités. Vous avez une 4 capacités, une à choisir au départ quand vous choisissez votre personnage. Et vous pouvez l'améliorer ensuite. Ensuite, vous avez votre argent. Et enfin, l'inventaire, s'il est plein ou pas. Donc, là, ça, je vous montrerai après. Donc ensuite, vous pouvez modifier certains objets, les améliorer ou récupérer les ressources pour vous faire cette petite argent vert qu'on voit en bas. Et avoir les codes qui se trouvent, l'espèce de marteau qu'on a à côté, qui va vous permettre plus dans vous les récupérer en faisant des assauts et des arènes. Et des arches. Et puis des missions. Bah pour vous les récupérer tout le temps. Mais ils sont très longs à récupérer et modifier un objet, ça coûte assez cher. Donc les objets qu'on peut modifier, vous voyez en dessous du niveau par exemple, vous avez quatre petites cases. Là, ça veut dire que les quatre petites cases, ils sont... Je fais une coupe et je reviens tout de suite. Je suis désolé. Vous allez peut-être entendre le téléphone. Ça arrive, c'est les contraintes de la vie personnelle, hein. Donc voilà. Donc nous étions pour modifier les objets. Donc vous avez des petites cases, je me répète peut-être. Vous avez les petites cases au-dessus du niveau. Donc quand ils sont pleines, ça veut dire que par exemple là, si vous voyez sur la droite, il y a les quatre équipements qui sont déjà mis dessus. On a une crosse, une lunette, je sais plus quoi. Bon, il y a différents équipements qui sont mis. Celui-là, je peux pas le modifier. Ah, voilà. Donc celui-là, par exemple, nous avons trois traits et une case. Ça veut dire qu'il y a encore trois emplacements qui est libre. Donc ce que vous faites, vous pouvez, voilà. Ensuite, vous pouvez le supprimer en démantelant des ressources et vous allez récupérer cet argent vert. Bon, moi j'en ai assez, donc maintenant je les revends ce que j'ai pas besoin. Ensuite, appliquer les modes. Donc voilà, vous avez un viseur que vous, en fait, vous pouvez activer ou pas le mettre.
Ensuite, vous avez ajouté des emplacements de mode. Ça va vous permettre d'avoir un truc en plus dans les cases qui sont vides. Ou sinon, vous pouvez améliorer la rareté. Donc là, par exemple, il est au niveau 1075. Vous l'améliorez de 100. Donc comme vous passez le niveau, si vous avez une arme que vous aimez bien, vous pouvez l'améliorer comme ça en lui donnant 100 petits marteaux là. Et elle passe à un niveau supérieur. Elle augmente de 100 son niveau. Donc si vous avez un niveau par exemple je sais pas moi de 200 et que vous avez une arme qui est à 100 et que vous l'utilisez toujours parce que vous l'aimez bien et que vous avez pris la main dessus, vous pouvez la passer au même level que vous au niveau 200 juste en rajoutant 100 petits marteaux. Donc emplacement de mode ça vous coûte par exemple les 2000 en argent vert. Vous avez simplement appuyé sur A pour démarrer l'action pour ajouter un autre mode. Voilà, voulez-vous vraiment améliorer cet objet? Oui. Donc, ça a été modifié. Et si on retourne dans mon inventaire, c'était celui-là. Voilà, on voit que il y a un petit objet qui s'est rajouté sur les quatre cases, trois cases qui étaient vides. Et ça lui donne forcément un truc en plus sur les dégâts ou la cadence, etc. Ensuite, nous en étions ici. Vous avez l'ego, donc l'égogramme, excusez-moi. Donc vous avez, au départ du jeu, vous allez avoir quatre catégories à choisir, soit la surcharge sur le tuto qui va être présenté, soit le leurre, soit le camouflage, ou soit le flash. Flash, c'est courir plus vite. Le camouflage, c'est que vous devenez invisible. Et le leurre, c'est qu'il y a un double de vous qui apparaît et qui permet que à peu près vos ennemis se concentrent sur le leurre que vous et pendant que vous leur tiriez leur tirez dessus. Et vous avez la surcharge qui vous permet d'augmenter la puissance de votre arme pendant quelques secondes. Donc vous chaque À chaque fois que vous vous battez, vous récupérez des unités d'ego. Ou à chaque fois que vous passez un niveau. Les unités d'ego, on les voit en bas à côté. Tout en bas sur la grande barre. Et donc vous pouvez rajouter des points. Ils sont par 3, sauf la plus grande qui est par 5. Là par exemple, il m'en reste une unité. À droite, vous voyez unité d'ego disponible 1. Le coût pour les débloquer, 1. Donc après, vous regardez suivant ce que vous voulez débloquer. Et il y a certains niveaux qui arrivent à tout débloquer, ils ont tout débloqué, donc ils peuvent mettre chacun des trucs, chacun des égos ensuite. Donc par exemple, je sais pas, quand vous tuez un adversaire au corps à corps, bon ben c'est pas souvent, augmente la durée de la surcharge, oui, bah par exemple, donc vous faites initialiser, X, oui, et voilà. Bon, là, il n'est pas équipé. Ceux qui sont équipés, c'est ceux qui ont le petit E. Ensuite, vous pouvez tout simplement enlever, voilà, et ensuite le remettre quelque part d'autre. Et il sera marqué, ils seront marqués ici. Voilà, c'est les atouts que vous trouvez ici. Bon, pour l'instant, j'en ai pas, je les ai tous, parce que je suis au niveau 1000. Mais quand vous débutez, vous avez que le premier et ça se débloque au fur et à mesure où vous pouvez en rajouter. Ensuite, ça c'est les bonus. Bon, les bonus, c'est pas bien important, c'est les trucs que vous pouvez rajouter uniquement avec des crédits. Les crédits qui sont avec les 2D et c'est des crédits que vous achetez dans le jeu avec de l'argent réel et que vous transformez ensuite en crédit disponible pour le jeu. Mais c'est uniquement avec votre petite carte bancaire. Ensuite, nous avons les statistiques, excusez-moi. Donc toujours, on commence sur la gauche, la monnaie, ensuite les crédits du jeu si vous avez acheté avec votre carte bancaire. Ensuite, les codes, ça on en reviendra après. Les petits argents verts pour modifier, ça je sais plus ce que j'ai. Batterie d'accumulateur, je sais plus. Ça c'est par rapport à des missions, etc. Et les arcs qui vous permettent de modifier.
Ensuite, en bas, vous avez toutes vos munitions disponibles. Ensuite, votre boost d'ego suivant où vous en êtes par rapport à votre niveau. Et ensuite, dans ce jeu, nous avons des certaines factions. Nous avons plusieurs factions dans plusieurs mondes. Et plus vous faites des missions pour eux, plus votre plus ça va augmenter au niveau de votre familiarité avec ces factions. Donc par exemple, tous les autres je suis neutre, sauf Top Note, 7ème Légion, Premier Défiant et Famitar. Voilà, c'est parce que j'ai fait des missions pour eux. Ça, on verra après. Et en faisant ça, vous gagnez des. Quand vous faites leur mission, vous gagnez des petites pièces qui sont spéciales à eux, qui vous permettent d'acheter des équipements spéciaux que je vous montrerai après. Ensuite, vous avez les compétences. Plus vous utilisez une arme, une catégorie d'armes, plus elle augmente au niveau de leur niveau. Et plus ils font de dégâts, de coups critiques, etc. Plus vous l'utilisez, plus elle va augmenter. Donc voilà, c'est suivant ce que vous faites à utiliser. Donc là, par exemple, on a tout ce qu'on a en catégorie d'armes. J'avais oublié les pistolets et les lance-roquettes. Donc vous augmentez. Ah oui, j'avais oublié les contaminateurs. J'en avais pas de ça. Ça vous permet d'avoir un ennemi qui a des espèces de spores qui lui poussent dessus et qui le bouffent en même temps. Et ça, c'est les véhicules en bas. J'en ai pas parlé, mais j'en parlerai. Et ensuite, bah, vous avez votre inventaire de tout ce que vous avez disponible sur vous. Ce que j'ai pas parlé, nous avons ici les véhicules. Alors, il est possible d'avoir plusieurs véhicules disponibles à acheter dans différents magasins. En premier, vous allez avoir celui-là. C'est un peu, je vais vous le montrer. C'est un petit quad. Bon, si je vous montais pas dessus, il disparaît. Hein. C'est un petit quad sympathique que vous avez au départ, qui avance pas beaucoup, hein, mais vous permet de vous déplacer. Et si vous avez appuyé sur A, vous avez le boost. Ah non, 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 faut que je revienne, je vais vous montrer la boutique. Donc, ensuite, vous avez des autres véhicules, des Dodge Challenger, que vous allez trouver chez les marchands, soit les marchands cachés, ou comme la Dodge Challenger est sur un marchand caché, où il faut anéantir les ennemis qui sont dans la zone et le marchand apparaît après. Le Dodge Durango, vous l'avez en obtenant des points de réputation. Moi, j'utilise celui-là parce que je l'ai depuis peu et il me plaît. Voilà. Vous avez des buggy, des 4x4 et ça doit être tout, des quads, et j'ai fait la même erreur que tout à l'heure. Oh là là. Je suis coincé. Bon, c'est pas grave. Normalement, si vous sautez dans l'eau, parce qu'il n'est pas possible de nager très loin, ça vous téléporte sur la côte. Voilà, l'écran devient flouté. Non, flouté. Normalement. Je suis peut-être pas assez sorti de la baie, comme c'est une espèce de baie. On va avancer un peu. Je suis désolé pour ce. Voilà, l'écran devient flouté, ça veut dire que vous pouvez plus avancer. Et là, ah bah, j'ai débrouillé un succès à force de. Et vous apparaissez un peu plus haut. Si jamais vous faites cette erreur-là,
Donc ensuite, on continue sur tous les marchands de la carte. C'est les points bleus que vous voyez ici. Tous les marchands qui sont là, vous avez différents magasins. Donc vous avez les gros magasins comme celui-là. Et ensuite, vous avez un truc pour recharger vos munitions. Voilà. Et un truc pour recharger vos petites plaques d'armure que vous trouvez en haut. Donc simplement appuyer sur X, c'est tout marqué. C'est simple, c'est vraiment tout marqué de ce qu'il faut faire, etc. Et ensuite, vous avez les magasins communs. Ça, c'est pas un magasin commun, mais vous avez les magasins qui sont tous représentés comme ceci. Donc ici, ah bah on avait dit les violets, voilà, c'était hippique, c'était en légendaire, donc voilà, ça c'est du légendaire en violet. Mais là justement pour vous acheter, il vous faut des points de réputation. Moi j'en ai 235, si vous voyez en bas à droite, il en faut 150. Moi bon, j'ai pas envie de l'acheter, mais c'est comme ça que c'est. Bon, celui-là vous pouvez pas l'ouvrir si vous n'avez pas acheté les DLC. Il est uniquement dans les DLC. Moi j'attends d'avoir 750 pour acheter la lame là. Et voilà, ça c'est les noms que vous pouvez prendre. Les noms qui sont là, c'est les noms d'emblèmes que vous pouvez mettre, de titres on va dire, que vous pouvez dire, vous pouvez mettre. Vous pouvez également vendre vos objets. Ça vous fera un peu plus de sous. Les sous sont marqués là, combien vous pouvez le vendre, hein. Et je le garde celui-là parce que même s'il est à 1013 et je garde les deux plaques, je pourrais peut-être l'améliorer plus tard et il sera peut-être plus fort que l'autre. Donc on va vendre un peu. Je vais faire un peu de place dans mon inventaire. J'utilise pas tout, c'est pas la peine d'en garder. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Si vous regardez dans votre inventaire, si vous mettez des étoiles comme ça, c'est en favori. Par exemple, celui-là aussi, je le mets en étoile. Et pas celui-là. Bon, si je peux. Et voilà. Ça, c'est des étoiles. Donc, si vous le mettez en favori, ça vous évitera de faire la bêtise de le vendre sans le vouloir. Parce qu'il n'apparaît plus dans ce que vous désirez vendre. Donc, ça permet de quand même avoir un. De pas faire n'importe quoi non plus. Alors ensuite, bon ici c'est le phare de Diablo. C'est surtout par rapport au DLC de la 7ème Légion, où vous pouvez faire des arènes, etc. Là on peut faire une arène, mais ça c'est toujours ma mission. Vous voyez, il y a le petit symbole, c'est ma mission qui est active. Et ça va me permettre de gagner des points de réputation en faisant ça. Si vous avez acheté des DLC, vous avez aussi cette mission, et au bout d'un moment, tout se débloque, toutes les arènes se débloquent. On en avait déjà une ici, après il y en a une là-bas, et il y en a une autre là-bas. C'est des arènes qui permettent d'avoir des vagues d'ennemis. Et ouais, l'autre, elle doit être par là ou par là, je sais pas. Qui vous permet d'avoir des vagues d'ennemis et de gagner des points de réputation. Si vous finissez la cinquième vague, en restant vivant. Bon là c'est Thanksgiving, donc ils ont c'est un serveur américain, donc ils ont mis des petits dindons. On peut pas tuer de dindons. Je vais vous montrer sur un autre magasin. Alors je vais me prendre la carte. Bien sûr, quand on est sur les magasins, on peut se déplacer en raccourci rapide. Si vous voulez vous embêter à faire la route, vous pouvez faire la route. Pas aller là parce qu'il y a beaucoup de monde. On va aller là. Voilà, on fait un raccourci. Bon, les temps de chargement sont relativement courts par rapport à la diversité du jeu et puis à plusieurs choses. Donc voilà, je suis arrivé dans un autre magasin. Je me suis téléporté. Donc là, je vais vous pouvoir vous montrer. Donc ça. Voilà, c'est toujours par rapport, il faut des points de réputation pour avoir ça. Par exemple, si je veux prendre le fusil à éclat Votant, voilà, vous n'avez pas assez de réputation et il faut faire ces missions pour avoir les points de réputation suffisants pour pouvoir acheter ces armes-là.
Ensuite, vous avez bien sûr, en plus des magasins qui sont comme ça, vous avez des magasins général où vous pouvez acheter. Bon, ça c'est un mode de pistolet, c'est surtout pour les modes, mais vous avez d'autres magasins général où vous pouvez acheter vos armes, etc., grenades et tout ce qu'on peut. Il n'y a pas de grenades là, il n'y a que des. Ouais, il n'y a pas de grenade. C'est que les modes pistolets. Les modes, c'est ce qui permet de d'avoir des extensions sur les armes, de l'améliorer. Ensuite, vous avez souvent des personnages qui sont comme ça sur le bord. Moi, j'ai pas choisi les bonnes arènes. Et il existe différents modes de jeu qu'on verra ça dans le prochain épisode. Je vous montrerai. Attendez, j'ai pas choisi le bon magasin. Je vais aller dans le bon magasin. Ça me téléporte directement là, ça. Je suis au cratère. Ah, on va aller là. Voilà, aiguille à sanglant. Donc après, vous avez des petits trucs en attendant les chargements qui vous montrent quand même comment faire, comment utiliser ceci, comment utiliser cela. Ça met un peu de temps à apparaître, le temps de chargement des magasins. Voilà, ils sont apparus. Donc vous avez toujours la réparation des plaques d'armure, la recharge des munitions. Ça, vous en avez un peu partout dans la carte. Il suffit de passer devant, vous allez voir un petit losange. Et après, vous avez différents modes compétitifs. Les machines coop, qui vous fait des vagues d'ennemis, pareil. Les machines compétitifs. Et ça, c'est les guerres de l'ombre. C'est joueur contre joueur. Hein. C'est du PV. On a du PVP aussi dans ce jeu. Même si là, on est sur un monde ouvert qui s'appelle l'Eden, où c'est exclusivement du PVE. Ensuite, ici, vous avez le coffre. Alors, le coffre, c'est justement avec ces petites clés qui ressemblent à des gens, des codes là. Donc, vous pouvez en acheter avec l'argent vert et des sous normales pour avoir des codes. Et ensuite, ces codes-là vont vous permettre, voilà, d'acheter des coffres avec différents objets dedans. Oui, vous pouvez acheter aussi des coffres avec votre carte bancaire. Ça, il n'y a pas de problème, c'est dans chacun des jeux. Et plus vous avez de codes, plus vous pouvez acheter des coffres, etc. Bon, là, j'en ai 52. Je peux pas monter au-dessus de 50. Mon niveau est pas encore assez élevé. Mais plus votre niveau va être élevé, plus vous allez pouvoir avoir plus de codes et ensuite prendre des plus gros coffres. Bon, après moi je vous conseille pas de prendre comme celui-là. Au départ, moi je voulais prendre celui-là. Attendez, je vais vous montrer. Je voulais prendre celui-là. Voilà, le coffre d'espionnage industriel parce qu'il est qu'à 48. Bon, après il est à 1 million. Mais on m'a dit que ça valait pas trop le coup parce que même si on tombe sur des objets rares ou supérieurs, donc violets, il y a beaucoup d'objets rares et pas d'objets légendaires. Donc pour 1 million, c'est pas beaucoup intéressant. Moi, je vous conseille plus, après c'est comme vous voulez, hein, je vous conseille plus d'attendre que vous soyez plus haut niveau pour acheter le coffre élite à 64 codes et 3000 en argent. Donc voici un magasin général. Donc où il y a des offres, c'est comme si c'était les soldes qui tombent, voilà, expiration dans 30 minutes. C'est des offres qui apparaissent et qui sont un peu moins chères. Après, ça dépend. Des fois ils sont bien, des fois ils sont pas bien. C'est à vous de voir, hein. La biogrenade, j'en avais par exemple. Elle me coûte un peu moins cher là, s'il y a une réduction dessus. Le temps de voir. Alors, nous avons grenade flash, des biogrenades, des grenades à fragmentation, des grenades à spores, ça libère des insectes qui infligent des dégâts. Des pyrogrenades, c'est des grenades qui mettent le feu. Des grenades messorans, c'est pareil, ça invoque des petits messorans, on verra ça plus tard. Ce que c'est, on verra les types d'ennemis plus tard. C'est tout marqué, de toute façon, vous avez simplement à lire des petites munitions
Et après, vous avez les dinapodes, justement, ce qui est planté dans le sol quand vous êtes en bataille, pour vous permettre d'avoir un plus, on va dire. Je sais pas, de voilà, 2%, 3%, et le dégât, il est augmente de 50%. C'est pour ça que j'ai pris les dégâts, moi. Et ensuite, vous avez les dopas. Les dopas de pouvoir, un mur, castagne, suivant si vous tapez en corps à corps, etc. Regarde l'épisode, ça va faire un petit moment, donc on va s'arrêter là. Donc dans le prochain épisode, je vous montrerai les différents modes de jeu, les différents ennemis, les différents modes de jeu. Voilà, je serai sûrement en compagnie de quelqu'un pour vous montrer tout ça parce que c'est plus amusant à plusieurs. Parce que on peut créer des clans. Bon, moi j'ai mon clan déjà avec plusieurs personnes dedans, donc je ferai sûrement ça dans le prochain épisode et je vous montrerai un peu tout ce que ça donne. Comme vous voyez là, je vais pas y aller parce qu'il y a plein de mimi, mais sur la carte que je pointe là dans le point, vous voyez un petit losange tout petit là, et ça veut dire que c'est un pack de munitions où vous pouvez recharger vos armes. Voilà, ils sont donnés comme ça, mais comme vous voyez là-bas. Voilà, il y a des ennemis. Voilà, l'éclair lui a fait des points. Voilà, je lui ai donné 636 de points, et après 682, et après ça lui fait des points. Il me voit pas, je suis trop loin pour lui, et cette arme elle tire extrêmement loin. Voilà. Et ça m'a donné 15 XP en le tuant. Ça, c'est des ennemis, hein. Les hélicos, on peut pas les buter, hein. On peut pas les tuer, les hélicos. Ça, je vous ferai voir les différents types d'ennemis. Ça, c'est vraiment du balèze. Ça va encore à gérer maintenant, à mon niveau. Mais autrement, sur les différents modes de jeu, quand ils sont beaucoup, ils sont pas faciles à gérer. Et comme vous voyez, eux aussi, ils ont des plaques d'armure. Mais ça, on verra ça dans un prochain épisode. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour le prochain pour expliquer la suite. Et cependant, je vous dis une bonne vidéo, une bonne soirée, une bonne journée, suivant comment vous regardez la vidéo. Et à bientôt. Au revoir.